Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Cool au Mic et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur le mode DMZ de Warzone 2 qui va vous permettre d'avoir des auto-réanimations en illimité. Donc pour réaliser ce glitch, c'est très très simple, il faudra trouver une benne à ordures. Donc la benne à ordures, pour vous aider à la trouver, je vous affiche une map avec toutes les bennes à ordures du mode DMZ de Warzone 2. Donc là, vous allez à l'un des 6 emplacements que je vous ai montré sur la petite carte. Et ensuite, vous allez trouver une petite benne à ordures. Donc attendez, parce que là, il y a quelqu'un qui arrive. Ah ouais, ok, il est là-haut. En fait, quand vous êtes près de la benne à ordures, donc je vais me muter, voilà. Quand vous êtes près de la benne à ordures, vous allez tout simplement aller dans votre inventaire, donc juste ici. Donc regardez, hein, je vais déposer toutes mes auto-réanimations. Donc là, j'ai plus aucune auto-réanimation sur moi. Donc je vais dans la benne à ordures. Et ça fonctionne avec toutes les bennes, hein. Et là, vous cliquez sur le petit logo auto-réanimation. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, vous allez dans la benne et vous faites équiper, ranger, ranger, ranger. Là, vous redescendez. Là, vous fermez. Vous réouvrez la benne. Vous recliquez dessus. Tac, tac, tac. Voilà. Mince. Vous faites tac, tac, tac. Et là, vous allez ici, vous faites ranger, ranger, équiper. Et là, je suis full, full, full. Si j'aurais un plus grand sac, je pourrais en avoir encore plus. Mais bon, là, j'ai que 5 places de disponibles, plus une place où j'en ai rangé une, déjà, donc sur moi. Donc au final, bah, ça fait que j'en ai 6. Après, si vous avez un sac moyen, bah, vous pourrez en ranger plus. Si vous avez un grand sac, vous pouvez en ranger plus. Si vous êtes à 4, vous pouvez le faire à 4. Vous pouvez faire des auto-réanimations en illimité. Alors, c'est pas tout parce que grâce à cette technique, si maintenant votre arme qui est en assurance là, l'assurance d'armes, vous avez plus de temps, enfin vous devez attendre 2 heures par exemple, bah, ce que vous faites c'est que vous mettez des auto-réanimations, voilà, comme ceci en illimité. Et comme ça réduit, regardez, le temps de rechargement réduit. Donc ça veut dire que le rechargement de votre arme, ben, sera réduit et vous pouvez réduire facilement. Je sais pas combien de temps, mais voilà, vous faites ça en illimité pour réduire le temps de rechargement de votre arme pour pouvoir l'utiliser plus rapidement sans devoir attendre les 2 heures. Donc vous faites ça en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace!